Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de votre chaîne BookingTube. Aujourd'hui je vais vous présenter un de mes coups de cœur récents. Il s'agit de Rebelle du désert d'Alwyn Hamilton. Le premier tome est sorti, donc c'est une trilogie, le premier tome est sorti en septembre 2016 chez 1221. Et le deuxième tome est déjà sorti en anglais, donc on espère qu'il va bientôt sortir en France. Rebelle du désert parle d'une jeune femme qui s'appelle Amani et en fait elle habite dans un petit village en plein milieu du désert. Donc sa seule envie en fait c'est de vraiment s'enfuir de ce village, de découvrir ce qu'il y a au-delà des limites de ce village là. Et donc après quelques péripéties elle y parvient grâce à un fugitif dénommé Jean. Et en fait elle se retrouve vraiment entraînée dans une rébellion qui est dirigée par le fils du sultan. Et dont Jean fait bien évidemment également partie. J'ai l'impression que ce résumé est assez sommaire, j'ai pas l'impression de vraiment faire honneur à l'histoire, mais en tous les cas, je vais pas vous en dire trop pour pas vous gâcher la surprise, mais pour moi c'était vraiment un gros coup de cœur, une bonne surprise. Et en fait j'ai découvert ce titre par des youtubeurs anglophones, donc il y avait énormément d'avis positifs. C'est vrai que le résumé ne me tentait pas trop, mais j'ai quand même donné sa chance au titre. Et finalement, j'ai vraiment été conquise. Ce qui m'a vraiment plu dans l'histoire, c'est la richesse et les détails de l'univers créés de toutes pièces par l'auteur. On découvre vraiment une mythologie inhérente au folklore du Moyen-Orient. Et en fait, il y a énormément d'histoires, de contes qui sont racontés au fil des pages, qui nous donnent des détails sur cette mythologie. Ce que j'ai également apprécié dans cette histoire, c'est la multitude des personnages. On rencontre énormément de personnages au fil des pages. Mais ce qui est surtout très appréciable, c'est que les personnages secondaires sont aussi intéressants que les personnages principaux. Chaque personnage a son propre caractère, ses propres spécificités. Le personnage principal, donc le personnage d'Amani, est très attachant. On s'identifie facilement à sa quête de liberté et d'indépendance. On a vraiment envie de la suivre dans ses aventures. Elle est très déterminée à se créer une alternative dans ce monde qui est encore très dominé par les hommes. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que son caractère se développe beaucoup, on en apprend plus sur sa véritable identité, sur son héritage, et c'est ça qui va vraiment être déterminant pour le reste de l'intrigue. La lecture du livre en général est vraiment très captivante, parce que le rythme de lecture, le rythme d'écriture est vraiment très soutenu, les péripéties s'enchaînent très rapidement. Et l'intrigue gagne vraiment en détail au fil de l'histoire. Rebelle du désert est un début très prometteur pour la série et je le conseille vraiment à tous les fans de fantasy, surtout ceux qui sont à la recherche d'un univers particulier, un univers riche et unique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à très vite!